Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Na06B. On va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de Hijbé au Maroc qui se sont plaints de s'être fait virer de piscine avec un burkini. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 692. Merci beaucoup pour vos milliards de messages de joyeux anniversaire. Évidemment, on le fait pas. Les anniversaires, ça se fait pas. Enfin, c'est mon avis, c'est moi qui le pense comme ça. Il y en a marre. Wallah, il y en a marre. Il y en a marre parce que c'est comme des furoncles. C'est Hijbé de merde. Encore une fois, hier, à ne pas confondre avec nos sœurs qu'on voile. De toute façon, quand je vous dis Hijbé, c'est des tympes. Quand je vous dis voilé, c'est des vraies sœurs. L'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer au monastère. Je vous le dis à plusieurs reprises. Si la barbe le religieux, alors les chèvres seront des prophètes. Un proverbe des pays de l'Est. Alors cette riche bête de merde, elle vient nous casser les couilles dans les piscines des hôtels privés où il y a que des bint al-haram et où les al-haram qui sont là-bas. Et elle te dit, ah, c'est un scandale. Même dans mon bled, je suis pas accepté en burkini. C'est normal. C'est normal. Tu veux faire la halal dans un endroit de tympan. Vous cherchez quoi au juste? On comprend pas, les femmes qui mettent des burkinis ou des trucs comme ça, ce sont des femmes qui ont un minimum de pudeur. Qu'est-ce que tu veux faire dans une piscine où tout le monde pisse et tout le monde se frotte? C'est une partouze de Color of Benetton là-bas. Vous connaissez les piscines de clochards? Ceux qui sont assis là dans des 300 euros le matelas, ils se cotisent à 5 pour amener des bouteilles où il y a de, tu sais, où il y a des fumigènes dessus, des trucs de crasseux. Les clochards en costard, ce qu'on appelle les French Arabic, la honte, tout le temps le même profil de Kelba, elles se couvrent pas la gorge, elles le mettent comme si que c'était, et elles sont là, va voir ces photos, la meuf maquillée comme une voiture volée, putain, il y en a marre, il y en a marre de ces clochardes. Elles passent leur temps à Hechem, leur bled, soit pour le métissage, ou soit pour des trucs comme ça. Tu remarques qu'elles mettent en avant le bled, elles, jamais de la vie. Donc tais-toi, silence la gueuse, tais-toi. On dirait une palette de maquillage qui marche. Pfouille, n'entends-la, Alik. Afficher le Maroc, encore une autre fois, le Maroc, il veut pas de toi. T'es là, tu nous fais de la comédie. Ça, c'est les toutes celles qui font les petites halal qui sont aussi halal qu'un Mac Bacon. La meuf, elle est voilée, burkini, elle veut aller dans les piscines où il y a des crasses et des crasseux parce que t'es une crasseuse, c'est tout. Le chmège attire le chmège. Donc viens pas nous faire ta comédie avec vos doigts, j'ai envie de le casser là. Hein, on est dans notre bled. Je les déteste, ces crasses des fonds de cuve. Wallah l'adim, un truc de dingue. Je comprends pas. Notre elle est là, elle nous casse la tête avec son histoire à dormir debout. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Tu sais ce qu'il y a là-bas. Ils devront vous interdire, il n'y a pas de burkini. Dans mon pays, je peux pas. Prends une plage privée. Dis à ton homme que tu pigeonnes là. Heureux de te prendre une piscine privée. Bande de clochardes. Hein. Tout ça pour venir là-bas. Tu sais ce qu'elle est en train de faire, elle? Burkini, imagine, il l'accepte en burkini là-bas. Mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Elles vont toutes venir dire, hein, Clem Allah, Clem Rasoul, hein, tout ça pour finir avec du sirop de cordon, le subsaharien. Ouais, bon, voilà, interdisons-la celle-là, et qu'elle ferme sa bouche et son clap-merde. Ouais, c'est pareil pour les fameux Ehri, là, les Ehri en plastique, qui vont dans ces endroits-là et qui cachent la aura, qui mettent des leggings. Vous venez dans des endroits, dans des piscines où il y a des strings et des lépreuses, et les frères, vous venez avec vos leggings pour faire aura et faire des rappels. Non, c'est pas vrai, puisque vous voulez vous frotter, vous triquer dur dans vos leggings. Cette crasseuse, toutes ces crasseuses qui vont dans ces endroits-là avec leur burkini, attention, elles ont un outfit pool. Les crasses, elles aiment bien qu'on les regarde. Donc elle serait venue avec son burkini, avec la petite pince assortie, les boucles d'oreilles, avec ses pieds bien manicurés, son burkini bien serré. Et les clochards, ils viennent, ils vont présenter ça. Et toi, alors, Mams, je l'ai rencontrée au Baoli, au 555, mais elle était voilée.
bande de fils de... Allez, c'est pas grave. Ouais, allez, salam alaikum. Donc voilà, c'est la story de Bassem Braiki. Donc j'ai entendu parler de cette histoire sur d'autres réseaux. Et les gens avaient dit pareil, c'est une meuf qui est en burkini et qui veut rentrer dans une piscine mixte. Donc déjà, sans aller trop loin, parce que Bassem, je trouve qu'il va un peu trop loin des fois. Je trouve, sans aller trop loin, une meuf qui porte le voile ou qui porte le burkini n'a rien à faire avec une... dans une piscine où elle va voir des hommes à moitié à poil. Je sais pas, c'est comme si tu es végétarien et que tu rentres dans une boucherie, que tu as envie de squatter dans une boucherie. Si tu es végétarien, tu vas pas squatter dans une boucherie. Au Maroc, il y a des piscines pour femmes, justement. Il y a des piscines mixtes, il y a des piscines pour hommes, il y a des piscines pour femmes. Il y a le choix, on va dire. Il y a le choix. Et en général, les femmes qui portent le burkini, ces trucs-là, vont dans des piscines réservées aux femmes. Il y a des piscines comme ça réservées aux femmes. Pour moi, le débat, il est clos. Il est clos. Après, Bassem, il exagère un peu parce que le frotti-frotta, c'est assimilé à un acte sexuel. Donc, si quelqu'un le filme, c'est un acte sexuel en public et... En public et... Parce que je connais un peu les lois du Maroc. Pour cause, hein. Les rapports hors mariage sont interdits. Donc, il y a des gens qui se sont fait arrêter. Il y a des gens qui ont été au comico pour ça. Il y a des gens qui ont fait de la prison pour des rapports... voilà. C'est pour ça que au Maroc, en fait, en lieu public, en général, les gens, voilà, ils gardent certaines distances. Il n'y a pas trop de... Voilà, mais en privé, voilà, il y en a qui font des trucs en privé, mais c'est caché, on va dire. Mais voilà, que ce soit marocains et marocaines, l'hiver, bah, même l'hiver, quoi, c'est quand il y a des couples qui sont hors mariage, qui ont des rapports hors mariage, ils le font. Moi-même, j'ai déjà vu, au Maroc, j'ai déjà vu plusieurs actions. Par exemple, j'ai vu... quelqu'un avec sa copine s'embrasser. Ils étaient, lui, il était assis sur la voiture. Elle, il la prenait dans ses bras. La police est arrivée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tac, tac, menottes, direct. Menottes. Pourtant, il n'y avait pas d'acte sexuel. Une autre fois aussi, on squattait à un endroit et il y avait un muret d'un vieil hôtel désaffecté. Et nous, on n'avait rien vu. Il y avait un muret, comme ça, il y avait un muret. Nous, on venait de se poser, on venait de se poser en voiture, on est en voiture, on se pose tout ça, et d'un coup, on voit la police, ils escaladent le muret devant nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont escaladé et ils ont sorti un jeune Marocain, une jeune Marocaine, qu'ils étaient de l'autre côté. Nous, on ne les a pas vus, c'est peut-être quelqu'un qui les a dénoncés, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a eu des condamnations au Maroc là-dessus, voilà. On a l'impression, quand il y a une pool party, la piscine, la musique, la boisson, on a l'impression que c'est comme en France, mais ce n'est pas comme en France. Il y a des trucs... bon, j'ai déjà eu des rappels à l'ordre, par exemple, quand je sors de la plage, torse nu, ils nous disent hop, hop. Avec des amis, tout ça, hop, hop, vous êtes obligé de mettre un t-shirt une fois que vous montez sur... quoi qu'en France aussi, c'est pareil. Je me suis déjà fait contrôler parce que j'étais torse nu, mais en pleine ville. Bon, j'étais pas à côté de la plage non plus. Bon, là, c'était à côté de la plage, hop, hop, les flics, ils nous ont pas embarqué ni rien, mais ils nous ont dit, mettez les t-shirts. Donc, non, il y a des idées reçues, il y a des trucs, mais... voilà, les Marocains et les Marocaines, entre eux, bah, ils essaient de se faire discret, tout ça, par rapport à certains trucs. Et c'est comme un exhibitionniste, au Maroc, c'est écrit sur la loi, c'est si quelqu'un s'exhibitionne, par exemple, devant un mineur, au Maroc, tu as le droit de le frapper. N'importe qui a le droit de frapper quelqu'un qui s'exhibe devant un ou une mineure. C'est marqué comme ça sur les lois. J'invente rien. C'est pour dire que au Maroc, on peut penser à un moment que
que c'est comme en France, c'est ce qui est arrivé au couple. Ils pensaient qu'ils étaient comme en France, boîte de nuit, tout ça, à la sortie, devant un snack. Ça commençait à s'embrasser, à se rouler des pelles. Ils ont fini au commissariat. Après, je ne sais pas, le couple là qu'on a vu que derrière le muret, on est resté quand? Parce qu'on ne les a pas vus. Bon, on venait d'arriver, on les a pas vus. Mais voilà. Il y a toujours ce truc-là, ces lois-là au Maroc qui, voilà, qui au-dessus de la tête. Faut pas croire non plus que, voilà. Donc si tu frottes quelqu'un et que c'est filmé et qu'il y a la preuve, tu risques une peine. Tu risques une peine forcément, et encore pire si c'est en public, dans un lieu public, privé ou pas privé. Donc bon, après pour moi le débat du burkini à la piscine au Maroc, il y a des, comme je vais le répéter une dernière fois, une deuxième fois, il y a des piscines pour femmes, il y a des piscines pour hommes, il y a des piscines mixtes. Voilà. Et comme il a dit aussi Bassem, la pudeur, voilà, le voile, c'est pour montrer la pudeur. C'est pas pour me. C'est complètement comme Maïva Guénam, complètement contradictoire, quoi. Complètement contradictoire. Elle met le voile le lendemain, elle est en maillot à la plage, en string, elle monte son cul. Après, elle se dit musulmane, elle revendique sa musulmanité, elle le crie devant des millions de gens. Sauf que pour être une musulmane, il y a une certaine pudeur à avoir, c'est comme ça, il y a des règles. N'est pas musulmane qui veut. Et donc, être pudique, ça veut dire être timide, être réservé, être. Voilà, donc ça. C'est le voile, c'est qu'on soit pour ou contre. Le voile, ça a été fait pour cacher sa beauté. Voilà, pour dire non à la revente des femmes, à la location des femmes. Voilà, pour parler de manière. Pour dire non à la location des femmes qu'il y avait avant l'islam. C'était. Voilà, il y avait des trucs. Même l'État, voilà, il participait, par exemple, l'État participait, avant l'islam, l'État participait à retrouver, à essayer de retrouver les pères des femmes prostituées, par exemple. C'était quelque chose de normal, quoi. D'essayer de retrouver tous ses clients depuis des mois. Il y a des trucs comme ça qui se faisaient. C'est pour dire, donc le voile, c'était pour dire non à la location, à la vente, la revente des femmes, l'héritage des femmes. Tu pouvais hériter d'une femme, c'était un objet, par exemple. Donc, faut comprendre ce qu'il y a derrière chaque chose, mais apparemment, c'est des gens qui ne comprennent rien, qui, voilà, qui veulent juste avoir l'apparence, je pense, sans avoir approfondi le pourquoi, du comment. C'est paradoxal, voilà. C'est comme j'avais dit tout à l'heure, c'est comme une végétarienne qui rentre à, je sais pas, tu sais, le truc là de viande, là, l'hippopotamus, dans un restaurant de grillade. Dans un restaurant, c'est pas logique, c'est pas normal. Ou c'est tout simplement peut-être pour cracher sur le Maroc, voilà. C'est une façon. Peut-être pour faire passer le Maroc pour un pays non musulman, tout ça, alors qu'il y a des lois, c'est comme ça. C'est après un établissement privé, voilà, a le droit d'accepter ou refuser qui il veut. C'est comme ça, c'est comme dans une boîte de nuit, t'as un videur devant. Et là, c'était peut-être une pool party, sûrement, j'imagine. Donc c'était pas approprié pour les burkinis et tout ça, quoi. Voilà, c'est plutôt dans. Je vais le répéter une troisième fois, c'est plutôt dans des piscines pour femmes. Ça existe au Maroc. Donc, voilà. Je ne sais pas. C'est des théories. Peut-être c'est pour cracher encore sur le Maroc. C'est peut-être pour le buzz, ouais, pour le buzz. Ça peut être pour plusieurs choses, quoi. C'est comme. Je sais pas. C'est compliqué. Ça commence à devenir compliqué un peu.
commence à devenir un peu n'importe quoi. C'est, je pense à un moment donné, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB de Premier sur les Actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.